j'en ai loin et je le ramène. Bienvenue dans le centre de formation Eric Cramson. Je vous présente Jex, une chienne malinoise âgée de 2 ans. Halt. Alors, là vous avez vu, il a légèrement, on peut appeler ça pincer le chien. On ne replace pas un chien qui est de travers de cette façon. Je vais vous montrer quelques petits conseils pour placer un chien quand vous lui dites assis et que finalement il n'est pas assis à côté de vous. Alors exemple, on va provoquer le défaut. Donc là le chien, il va dire qu'il est assis. Sauf que moi, je suis dans cette position. Et je veux que mon chien s'assoie comme il est, mais ici parallèle à moi, dans la direction de mon bras, c'est-à-dire là, et complètement de travers. Une des astuces qui marche bien, on se met largeur des épaules. Le chien est assis, je veux que mon chien soit ici. Je n'ai pas crié, parce que le chien ne va pas comprendre. Façon de faire. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une méthode qui est très simple, c'est d'amener le chien où vous voulez qu'il aille. Simplement, vous prenez la longe. Ici. Donc bien sûr, il faut le faire avec une longe minimum de 3 mètres. Parce qu'un mètre, ça ne pourra pas mal fonctionner. Donc le chien est loin de moi. Et je veux absolument qu'il se mette à côté de moi dans la direction de mon bras. C'est très simple. Je prends le chien. Et regardez ce que je fais, ceci. Je veux l'emmener vers moi. Je viens l'emmener loin. Et je le ramène. Je viens l'emmener loin. Et je le ramène. Parallèle, voilà, ça c'est bon, assis,